Bonjour Dominique Bonnat, nous sommes ravis. Bonjour. De... Bonjour. nous sommes ravis de vous recevoir entre Paris et Bordeaux à la Librairie Mola. Alors pour ceux qui vous connaîtraient pas, vous êtes romancière, vous avez reçu le prix Interallié pour Malika par exemple et aussi le Renaudot pour le manuscrit de port Borében et membre de la française depuis 2013. Et vous êtes l'auteur aussi de nombreuses biographies consacrées à des écrivains, à des artistes, peintres, sculpteurs. On vous donne notamment des écrits sur, sur Bate-Morisseau, sur Gala, sur Camille et Paul Claudel, sur Clara Malraux, Romain Gary ou Colette. Aujourd'hui, votre dernier ouvrage, en fait, est une autobiographie consacrée à Jacqueline de Ribes, aux éditions Gallimard. Alors, Jacqueline de Ribes est assez méconnue en France, un peu plus aux États-Unis. Pourtant, elle a été une, une icône de la mode, une incarnation de, de l'élégance à la française, une créatrice de mode aussi, une vicomtesse, une étoile de la haute société, et une grande animatrice du Paris, de la vie parisienne entre les années 60 et 80. Et pourtant, elle est méconnue en France. La première, première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir quand et comment vous avez découvert l'existence de Jacqueline de Ribes. De Ribes. Bien, à l'origine de ce livre, en fait, il y a un moment pour moi de sidération euh, quand j'ai vu le visage de Jacqueline de Ribes illuminer New York. Il y avait euh, ce soir-là à New York euh, une espèce de, de projection pour le public sur l'Empire State Building, qui est la plus grande tour aujourd'hui de, de New York, et c'était un défilé de euh, beauté féminine qu'on pourrait qualifier de iconique. Il y avait Marilyn, il y avait Liz Taylor, il y avait Audrey Hepburn, mais il y avait aussi Kate Moss, enfin des stars beaucoup plus récentes, et tout à coup. Et c'est affiché le visage de Jacqueline de Ribes, saisi par le photographe Richard Avedon dans les années 60. Je connaissais la photo, je connaissais aussi Jacqueline de Ribes, mais de la voir ici apparaître dans ce défilé où elle était la seule Française, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'étonnant, quelque chose de romanesque. J'ai eu envie d'en savoir plus c'est la première fois que vous écrivez donc sur un perso enfin, une personne qui est vivante. qu'est-ce qu que ça a changé dans votre oui. travail de biographe? Oui. alors ça change quand même euh, les choses parce que pour la première fois je pouvais avoir un entretien avec mon personnage. Il y avait un face-à-face -face réel avec le personnage, il y a toujours un face-à-face, -face. on s'entretient mystérieusement même avec les personnages du passé, mais là, c'était formidable parce que d'une part, elle pouvait me raconter sa vie, je pouvais l'interroger, je pouvais confronter mes analyses à son propre récit. Et puis, il y a eu une autre chance, c'est que non seulement elle a accepté l'idée de, de se lier donc de se livrer à moi, mais en plus, elle m'a ouvert ses archives. Et elle possède des archives absolument étonnantes, ce sont des archives privées, euh, mais qui témoignent de toute une vie, euh, je dirais 50 ans, euh, de balles, de fêtes, de mondanité, toute cette vie euh, étincelante, très étonnante qu'elle a eue, et qui contraste tellement avec notre époque, était là, chez elle, dans des albums. Et le fait qu'il y ait ces archives, évidemment, pour moi, c'était des inédits exceptionnels. Et vous avez pu piocher dans ses archives euh, comme vous ah vous dites. oui, sans réserve, <laughs> oui, sans réserve parce qu'elle a conservé depuis l'âge de 20 ans euh, tout ce qui a paru sur elle, autour d'elle, dans la presse. Alors, bien sûr, en plus, il y a les albums de, de famille, euh, il y a des vidéos, euh, il, y a, il y a toutes sortes de, de livres où on parle d'elle. Tout cela a été vraiment soigneusement archivé. Euh, selon les années, il n'y avait qu'à feuilleter les pages et, et euh, je retrouvais finalement à travers la presse, que ce soit la presse française, italienne, espagnole ou américaine, toute, ce, toute cette vie qui était par image. C'est une vie qui se déroule par image. J'ai eu envie de donner le texte. Alors vous dites à un moment du livre que son histoire s'inscrit dans une filiation une lignée. Est-ce que, est que vous pouvez nous parler donc de ses grands-parents et de ses parents qui ont été essentiels dans la construction de sa personnalité c'est peut-être une grande question parce que y a oui. quelque choses à dire. Au départ, c'est une aristocrate. C'est une aristocrate. Elle est aristocrate de tous les côtés côté paternel, côté maternel. Donc côté, son nom de jeune fille est très joli. Elle s'appelle Jacqueline Bonin de la Boninière de Beaumont. Et c'est un nom qui remonte aux croisades. Donc on a là un passé prestigieux, c'est amusant pour qui n'appartient pas à ce genre de société, ce qui était mon cas. Et de l'autre côté, côté maternel, ce sont les rivaux de la raffinière qui sont d'une noblesse plus récente, ces fameux grands-parents maternels qu'elle a adorés, qui l'ont élevé jusqu'à l'âge de 10 ans, et dont elle a dit finalement qu'ils euh, avaient plus d'affection à lui donner. Que ses propres parents. Donc, ces rivaux de la raffinière qui viennent de la province du Poitou. Et le grand-père est une sorte de Rastignac qui a vraiment créé sa propre fortune au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale. Et c'est une fortune qui s'est établie dans les colonies françaises de, de cette époque, donc principalement en Indochine, autour de l'arbre à caoutchouc. Donc, là, il y a une sorte de saga coloniale à l'origine. Euh, vraiment de l'histoire de Jacqueline de Ribes. Et puis quand elle se marie, c'est encore une aristocratie, la famille de Ribes, euh, qui est peut-être un peu moins ancienne que, que sa famille, que les Beaumont, parce qu'ils ne remontent pas du tout aux Croisades. Ils ont été anoblis euh, sous, plus tard sous la Restauration. Mais il y a une jolie histoire, c'est que ces Ribes avaient, euh, fin le, le, un des Ribes était banquier et il avait financé la fuite du roi louis xvi à varennes euh, après quoi il a dû bien sûr s'enfuir en, en angleterre où il a passé le restant de ses jours et il a été anobli par la suite donc au départ c'est une aristocrate mais ensuite c'est tout à fait autre chose c'est-à-dire que ce milieu de l'aristocratie rejoint euh, d'autres mondes à la fois un monde proustien et puis un monde côté jet-set international dans les années 60-70. Donc on a une espèce de grand mélange entre euh, la tradition, la modernité, euh, le, les, les mœurs, disons, anciennes et un peu proustiennes, style boulevard Saint-Germain, que décrit si bien Marcel Proust dans La Recherche du Temps Perdu, mais en même temps, euh, le ski nautique, le, le, le ski à saint moritz enfin les voyages innombrables aux États-Unis. Donc il y, y a un monde qui bascule, qui change, et c'est cet instant-là que j'ai aimé saisir, ces, ces mondes qui sont en même temps, je dois dire, j'étais face à des mondes tous très romanesques, parce que des mondes disparus, ça n'existe plus du tout, les mondes qu'elle a fréquentés ont vraiment, euh, se, sont, se sont effacés. Et donc il y avait une sorte, pour moi, euh, qui suis toujours très curieuse des, des mœurs du passé. Parce que le passé, c'est un peu notre miroir pour pour essayer de nous comprendre. C'est pas mal le passé finalement. Et euh, c'était merveilleux de décrire tout ça avec les documents que je pouvais avoir en main. On a beaucoup comparé, en fait, à la duchesse de Dorian de Guermantes, la Est-ce que Vous nous en parlez de cette. Oui. Oui. Alors à l'origine de cette comparaison. Il y a Luchino Visconti, le grand réalisateur de, de Mort à Venise et de bien d'autres films. Et vers la, la fin de sa vie, Visconti a eu l'idée, c'est-à-dire dans les années 60, euh, d'adapter au cinéma la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Donc, il a évidemment cherché le, des acteurs pour chacun des personnages de la recherche. Il avait imaginé Alain Delon, baron de Charlus. Il avait imaginé Charlotte Rampling pour euh, Albertine. Et pour la duchesse de Guermantes, il avait demandé à Jacqueline de Rib, qui n'est pas du tout une actrice de profession, mais qui est une authentique aristocrate, d'interpréter le rôle d'Oriane. Et euh, certainement était-il captivé par la beauté d'abord de Jacqueline de Rib, qui correspond assez bien à celle d'Oriane, mais aussi par cette espèce de port de tête, euh, presque majestueux, qui est le port de tête d'un cygne, on l'a beaucoup comparé à cet animal du cygne, qui est aussi celui de la duchesse de Guermantes. Euh, Marcel Proust a très bien décrit combien, euh, tout jeune, il, il était éblouie et presque ébahie par ce phénomène, l'apparition de la duchesse de Guermantes. Et en fait, Jacqueline de Rie possède euh, cet éclat, elle possède aussi cette espèce d'attitude de grand oiseau qui domine à la fois euh, son époque, son temps, les gens autour d'elle. Il y a cette espèce de, de majesté du cygne que Visconti avait aimé. Et malheureusement, euh, ce, ce film ne se fera pas. Euh, qu'un visconti meurt euh, juste, juste avant de, de le réaliser. Vous parlez de signes, ça fait penser à Truman Capote Oui. Alors là, c'est une autre comparaison. Avec Jacqueline de Rive, on passe absolument de, de Visconti à Truman Capote. Ensuite, on va passer sûrement à Yves Saint Laurent, etc. Mais Truman Capote, c'est important parce que Truman Capote, donc, c'est un écrivain euh, américain qui a fréquenté euh, les, les très belles femmes de son temps, dont, par exemple, Barbara Palais euh, ou Gloria Vanderbilt ou Marella Agnelli, qui font partie de ce troupeau de signes que Truman Capote a nuiré, euh, avait relevé parmi les signes Jacqueline de Ribe. Euh, donc est, ça, elle est déjà immortalisée, on, on dirait, par euh, Truman Capote, qui euh, a de, Enfin, Richard Avedon, en même temps, a donné euh, les images de ces merveilleux signes, et c'est Truman Capote qui a écrit quelques textes sur eux. Pour Jacqueline de Ribes, il avait trouvé cette formule étonnante jacqueline de ribes avait le nez parfait. she had the perfect nose. Euh, parce qu'elle a un nez assez affirmé, un nez droit euh, qui est le, ce qu'on appelle dans sa famille le nez des beaumonts. et ce nez fascinait truman capote qui disait que euh, les femmes avec un petit nez ne l'intéressaient pas parce qu'évidemment sans doute quand on a un petit nez on perd en, en caractère. jacqueline de ribes a du caractère. Et du point de vue du profil, vraiment, euh, sur toutes les photos, il n'y a qu'une comparaison possible, c'est avec Nefertiti. C'est le profil euh, de, de, de statue euh, égyptienne ou grecque, si on veut, mais euh, voilà, un statut de, de déesse, en fait. Justement, les, Richard Avedon a fait toute une série de photos avec elle. Et, et elle, est en, elle est en Sphinx. Une de ses photos célèbres. Elle est en sphinx Oui, en... elle a posé en Sphinx pour Richard Avedon, en effet, dans la position du Sphinx, avec ses grands cheveux défaits euh, qui, qui rappellent un peu la coiffe du, du Sphinx. Votre Livre, c'est autant une biographie que, que, que vous faites mémorialiste d'un monde disparu. En fait, c'est vrai, on ressent vraiment l'intérêt de votre livre c'est vraiment ce de faire revivre ce, ce monde international, ce gratin mondain qui mélange des aristocrates, des milliardaires, des artistes et qui qui mmh. et qui et Vous faites vraiment une espèce de, de portrait en fait d'un monde comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. on du du gratin poustien à la café society et à la jet set. Et on peut dire que Jacqueline de Rib, de Rib a incarné ces trois mondes là. Il Assez extraordinaire parce qu'évidemment, elle est à l'état, oui, oui. oui, mais c'est vrai que c'est ce qui me, qui me plaisait, c'est de au fond de voir Jacqueline de ribes euh, traverser ces mondes avec une, une certaine légèreté sans s'appesantir. J'ai essayé de garder ce caractère comme ça de légèreté et autour d'elle euh, de... de montrer euh, cette société des années 50, 60, 70 qui, euh, évidemment, est une société privilégiée, une société des heureux de la Terre, on pourrait dire, parce qu'ils sont euh, à la fois beaux, riches, célèbres, ils ont tout, toutes les cartes en main. Euh, ils organisent des fêtes, euh, des fêtes euh, qui, euh, aujourd'hui, n'ont plus jamais cours, je pense, c'est-à-dire euh, ils sont capables d'animer Venise tout entière, juste pour un bal, par exemple. Et euh, on les voit venir du monde entier converger vers Venise avec des déguisements fastueux pour danser toute une nuit. Euh, c'est un caractère euh, irréel, féerique et même, j'ose le mot, mythologique parce que euh, c'est tellement improbable, vous voyez. On a, on a tellement de peine à se projeter dans, cette, dans ce monde-là et en même temps, on y retrouve une part de rêve comme dans un conte de fées. Voilà. Et euh, donc, j'ai eu à cœur de faire revivre, par exemple, Charles de Bestegui, le marquis de Cuevas, enfin un certain nombre euh, de personnalités, le baron de Rédé, il y a également Marie-Hélène de Rothschild, enfin toute cette micro-société euh, qui, qui est assez en même temps euh, aristocratique, mais mélangée d'un certain nombre de phénomènes fantasques euh, très amusants. Euh, venu du Mexique, venu du Pérou, euh, euh, venu d'Andalousie pour païter un ensemble. Donc je dois dire que l'écriture de, 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 de tout ça, enfin cette espèce de mélange des mondes, ce côté, il y a des, des gens qui se ruinent au passage, des désespérés, qui cherchent un sens à leur vie en dansant, euh, tout, tout ça m'a beaucoup intéressé. Enfin, fait. c'était un univers. Que je connaissais un peu parce que c'est un mélange de Café Society. J'ai un petit peu étudié quelquefois euh, autour de mes autres livres, donc Café Society, mais aussi Jet Set International. Et là, j'étais un petit peu perdue. Donc, il fallait à chaque fois que je retrouve, euh, vous voyez, des, des histoires de Gunther Sachs, euh, euh, Prince de Hohenlohe, etc., euh, et, et rétablir le panorama. Est-ce qu'on peut dire que finalement, le vous parlez des balles, on peut dire que c'est le moment lacmé de cette vie mondaine, en fait. Vous parlez euh, longuement du, du bal du siècle de Charles Bestegui, d'autres de, de, oui. balles importants. Est-ce qu'on peut parler de, de ce, ce grand bal du siècle en 51, en Palais oui, de la guerre. Ben, écoutez, je, je lui consacre carrément un chapitre à ce bal du siècle qui a eu lieu donc euh, en 1951. Euh, parce que c'est le plus beau de tous les bals qui aient jamais eu lieu. Euh, les déguisements étaient extraordinaires. On a vu euh, euh, les, les masques arriver sur des gondoles qui étaient euh, transformées en fonction des thèmes abordés. Il y avait par exemple l'empereur de Chine qui était, qui, est, qui était Arturo Lopez qui est arrivé sur une gondole. On avait, les gens avaient l'impression, vous voyez, je dis « on » parce que j'ai l'impression d'y être, parce qu'à force de, de raconter, on se projette complètement. Les gens ont eu l'impression de le voir arriver directement de Pékin, dans une espèce de longue robe et avec des ongles en or, etc. Et Jacqueline de Ribes a eu ce déguisement euh, très amusant, c'était pour elle une grande première. Elle avait une vingtaine d'années, elle était la plus jeune de tous les invités et elle était déguisée en dame blanche, euh, époque 18e siècle. Donc, une, une robe à panier, toute blanche avec une perle autour du cou et simplement un masque noir devant le visage. Mais c'était trop simple pour elle d'être en dame blanche, donc elle avait imaginé d'être trois fois moi. Trois dames blanches sont apparues sortant de la gondole, identiques, absolument identiques, même taille, même proportion, même costume, même chaussure, même petit éventail, et elles se sont avancées vers Charles de Bestegui, qui était élu en procurateur de Venise avec une immense perruque à la Louis XIV. Donc tout, tout ça a été immortalisé par quelques photographes tirés sur le volet, dont Robert Douaneau et également par un peintre euh, qui s'appelle Serebriakov et qui euh, a donné des aquarelles euh, de ce bal. Donc je me suis attaché à, à expliquer comment euh, au palais Labia euh, qui est un des beaux palais sur le Grand Canal euh, avait eu lieu où, où il y a des tiepolo d'ailleurs extraordinaires qui ont inspiré une partie des invités. Euh, voilà. J'ai eu l'impression, vous savez, euh, de décrire non pas un événement mais presque un tableau c'est un tableau avec euh, d'innombrables détails et euh, de reconstituer euh, ce bal d'une époque pour revenir à c'est bien que nous sommes dans la superficialité en vous racontant tout ça j'en ai pleinement conscience et ça a fait partie de mes obsessions pendant que j'écrivais ce livre la, une sorte de superficialité qui aujourd'hui euh, pense pendant six mois à la façon dont il sera habillé au bal auquel on est invité. Plus personne, évidemment. Or ces balles, il faut le comprendre, avaient lieu. Vous imaginez en 1950, au moment où l'Europe euh, se relève de la deuxième guerre mondiale. Les gens sont encore traumatisés par la deuxième guerre mondiale, qui est vraiment qui s'achève à peine, qui laisse les gens avec traumatisés, avec des tragédies qui se sont passées, et on voit euh, parce que ce bal merveilleux qui est le sommet des bals, n'est qu'un parmi d'innombrables, car on voit sur, euh, surgir au lendemain de la guerre très vite toutes sortes de bals, y compris les balles populaires, les balles de quartier, les balles de pompiers, les balles du 14 juillet. C'est comme si tout le monde avait voulu se mettre à danser au lendemain des tragédies. Et très curieusement, ce même phénomène était arrivé après la Première Guerre mondiale. Donc, c'était. Voilà. Mais simplement, il se déroule là, dans un univers où les gens ont les moyens de leurs rêves. Et donc, ils vont euh, offrir. Enfin, Charles de Bestegui a voulu offrir à la fois ses invités et à la ville de Venise une sorte de rêve éveillé. Pour revenir à Jacqueline de Ribes, elle n'était pas destinée par son milieu à travailler, et pourtant elle a énormément travaillé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce qu'elle qu qu a fait comme, euh, comme métier enfin, Elle a été productrice de théâtre, productrice pour, le, pour la télévision, elle a été aussi créatrice de monde, on en parlera peut-être après, mais elle a beaucoup, beaucoup travaillé en fait. Oui, parce que c'est en fait une femme qui déteste l'amateurisme, et donc quand elle entreprend quelque chose, elle est à fond. Et euh, elle veut euh, appliquer une énergie, j'allais dire professionnelle, professionnelle. Toujours tout ce qu'elle entreprend, euh, même les plus simples des choses, est toujours avec animé par un esprit de perfection. C'est d'ailleurs le démon de son personnage. Elle a l'esprit de perfection euh, jusqu'au boutiste. Et euh, oui, Jacqueline de Ribes, c'est une personnalité à facettes assez complexe. Euh, C'est une femme d'abord euh, qui porte un certain nombre de blessures, surtout des blessures d'enfance. Euh, elle a eu une enfance très triste, marquée par l'abandon et par le désamour de sa mère. Donc euh, elle a, a toujours un manque certainement affectif qui l'a poursuivi longtemps et qu'elle a essayé de combler de toutes les façons possibles. Ce qui m'a intéressé chez, chez elle, c'est qu'elle rejoint d'une façon, d'une certaine façon, les autres héroïnes que j'ai pu décrire dans mes livres. Car euh, elle-même, au départ, au fond, elle a tout en main. Elle est belle, elle est riche, elle est intelligente, elle a absolument tout en main. Mais au lieu de se satisfaire des données de la vie, elle se dit Ce n'est pas possible d'avoir tout ça, il faut que j'en fasse quelque chose. Et dès le départ, et c'est là qu'elle ressemble, mes autres héroïnes, elle a essayé de donner un sens à son existence, elle a tenu à marquer son passage sur cette terre. Or, c'est une femme une part, qui n'a pas fait d'études, c'est une femme qui, normalement, par euh, le milieu dont elle vient, devait rester à la maison, devait rester euh, mère de famille, épouse. Et elle a voulu se sortir de, 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 de tout ça, de ce qu'elle appelle une prison dorée, dorée et essayer de, de montrer qu'elle était capable de faire quelque chose par elle-même. Donc elle, elle s'est orientée vers plusieurs pistes, elle a essayé un petit peu le journalisme, mais bon, ça n'a pas abouti, c'est compliqué. Euh, elle a, en effet, elle s'est beaucoup intéressée euh, à la production de spectacles. Elle a été euh, très active euh, auprès des ballets du marquis de Cuevas, qui ont été une magnifique troupe de ballets, qui ont d'ailleurs euh, euh, accueilli Nouriev. Quand Nouriev a fait le grand saut vers la liberté, il a trouvé son premier emploi euh, en ayant rompu absolument tous les liens avec euh, sa troupe euh, originelle russe. Il, il a trouvé son premier emploi. Euh, avec le marquis de Cuevas, donc là il y a eu des ballets extraordinaires. Et Jacqueline de Ribes s'est occupée euh, de l'organisation et même souvent de la production de ces ballets. Elle a aussi été très active euh, dans d'autres secteurs, notamment tout ce qu'on appelle le charity business, c'est-à-dire elle s'est donnée beaucoup euh, pour le mécénat, notamment auprès des, des enfants. Elle a œuvré activement pour des associations diverses, notamment l'UNICEF, mais pour d'autres associations aussi. Euh, et puis, évidemment, elle a trouvé son grand épanouissement en créant, quand elle avait déjà 50 ans, une cinquantaine d'années, sa propre maison de couture. Et c'est là, pendant une douzaine d'années, qu'elle va donner vraiment sa dimension, en étant à la fois créatrice, mais aussi chef d'entreprise, car c'est elle. Euh, qui devait en même temps euh, gérer cette affaire, c'est compliqué la couture parce que une chose est de créer des robes, autre chose est effectivement de trouver la clientèle, de et de voilà de trouver les, les boutiques qui vous distribuent. Euh, tout ça était extrêmement compliqué et elle l'a fait euh, pendant une dizaine d'années. Oui, elle a été initiée. C'est une, une femme à plusieurs, euh, voyez euh, plusieurs, euh, j'allais pas dire casquettes, ça ne va pas casquette, mais bon. Oui, elle a, elle a eu euh, pleu, vraiment des vocations diverses. Elle a même construit des maisons euh, au Balear, enfin conseillant euh, divers architectes pour euh, créer ces maisons. Elle a été initiée à la, la couture, on n'en a pas parlé, mais sur, avec Oleg de Cassini, avec beaucoup de, de, de créateurs de mode oui. italiens, avec Valentino et avec, je ne sais plus, un troisième Italien, j'ai je, je, je oublié le nom. Donc avant de vraiment créer sa motion de couture, elle avait elle a déjà... Elle avait déjà collaboré, mais son nom n'était pas apparu en fait. Donc, souvent, là on a l'impression qu'elle a collaboré avec des artistes, mais son nom n'apparaissait pas Et là pour le coup. Vous avez fait apparaître ça, ça comme beaucoup de femmes en fait qui ont collaboré avec des œuvres d'art, mais leurs noms ont disparu. Donc, vous, vous la réhabitez sur plein de. Oui, elle plein elle de... a appris, mmh. elle a appris en fait la couture sur le tas. Euh, C'est une, une petite fille au départ qui adorait les vêtements, elle adorait se déguiser. Elle prenait un drap de lit, une serviette de bain ou un sac de pommes de terre, par exemple, et puis elle découpait, elle cousait euh, et elle se transformait en dame du Moyen-Âge ou en taïtienne. Euh, en fait, elle a tout de suite su euh, coudre, euh, broder, repasser. C'est une femme manuelle, elle, elle aime se servir de ses mains. Euh, elle est douée manuellement. Et ensuite, elle a appris, évidemment, en s'habillant elle-même, et en s'habillant chez les plus grands couturiers. Euh, Jacqueline de Ribes est une femme qui a porté les plus belles robes du monde. Elle a porté les robes de, de Saint Laurent, les robes de Dior, les robes de Balenciaga, euh, de Jean-Paul Gaultier, etc. Et donc, euh, en, comme ce sont des robes qui sont faites directement sur euh, les clientes. Et euh, Jacqueline de Ribes euh, arrivait toujours à faire transformer le modèle euh, pour, euh, pour elle-même. Donc le modèle de départ... Euh, ne, res... Vous voyez, ne ressemblait plus du tout au modèle de l'arrivée parce qu'il était transformé par Jacqueline de Ribe. Euh, cette chose-là amusait beaucoup euh, Yves Saint Laurent, euh, qui l'a laissé faire et qui l'a laissé à la fois changer la silhouette, la ligne, les épaules, la taille, etc., et faire sa propre robe. Donc elle, elle, a, elle a le goût euh, de, de s'habiller et surtout de créer sur elle-même les robes. Et donc quand. Euh, euh, en fait, euh, elle a rencontré euh, Oleg Cassini. Il a tout de suite compris. Oleg Cassini, qui est un très grand euh, couturier d'origine italienne, mais qui travaillait beaucoup aux États-Unis, qui a habillé, habillé euh, Jackie Kennedy. Le, le look de Jackie Kennedy, c'est Oleg Cassini pendant des années. Euh, donc il, lui a, il a créé une centaine d'europes pour elle. C'est... Et Oleg Cassini a demandé à Jacqueline de Ribes d'imaginer de, de, des robes pour lui parce qu'il avait vu chez cette femme le, le fameux chic français, cette élégance française qui fascine tellement les Américains. Et Oleg Cassini lui a demandé des idées de, de robes, des idées de toilettes, comme on disait à ce moment-là. Et donc Jacqueline de Ribes a euh, créé pour lui euh, des, des sortes de brouillons de robes. Euh, vous voyez, avec euh, des, des matières euh, euh, brutes, en fait, hein, pas, pas du tout dans les soies dans lesquelles elles seront réalisées, mais vraiment euh, avec. Euh, ce sont des vrais modèles de, de haute couture. Et puis, elle a cher... comme elle, elle ne dessine pas, il y a beaucoup de couturiers qui savent faire des robes, euh, qui, euh, qui coupent, qui cousent, mais qui ne dessinent pas. Donc, il fallait qu'elle trouve quelqu'un qui dessine et à ce moment-là l'un des couturiers qu habillait, qui l'habillait qui s'appelle jean de sey lui a conseillé un jeune homme euh, qui était apprenti enfin, même pas apprenti mais enfin qui était chez lui qui un euh, rôle très modeste et qui s'appelait euh, valentino garavani et c'est le futur valentino qui va dessiner pour Oleg Katsini, les modèles de Jacqueline de Ribes. Il y a toute une histoire très, très belle de rencontres autour de Jacqueline de Ribes dans cet univers de la mode où elle arrive, cette, cette femme du monde qui aurait pu rester une, une femme du monde, elle, elle, elle arrive euh, au niveau de la création et elle, elle passe de l'autre côté du miroir, elle passe du côté des créateurs. Elle veut absolument euh, laisser sa patte, laisser sa signature. Et il y aura une signature Jacqueline de Ribes qui va traverser l'Atlantique car elle aura des clientes non seulement euh, ici euh, euh, en France mais également euh, en Amérique. Elle va, habiller, euh, elle va habiller Nancy Reagan, elle va habiller euh, celle qui est l'actrice principale de, de Dynastie de l'époque, un grand feuilleton que tout le monde regardait qui s'appelle John Collins. Euh, elle, a, enfin, elle, elle habille des, des, des femmes célèbres américaines. Donc, c'est la preuve, si vous voulez, qu'elle a créé un style. Ce style, Jacqueline de Rive. Justement, ce style, ça a fait l'objet d'une exposition au Met à New York en 2015, Jacqueline de Rive, The Art of Style. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Peut-être, elle-même euh, disait peut-être son, son, son respect d'autoportrait euh, cette exposition, c'était son grand, voilà sa oui. vie. Toute sa vie était là, oui. De même qu'elle a eu euh, en 2017, donc son visage sur l'Empire state building. Euh, en effet, en 2015, il y a eu une, une exposition au Metropolitan muséum de New York. Euh, pas une exposition par la porte latérale de côté, mais vraiment par la porte principale du, du Metropolitan. Une, une exposition sur elle. Et c'est rarissime parce que euh, le maître, euh, jusqu'à, on dit le maître pour le métropolitain, euh, n'avait ouvert ses portes à un créateur de mode euh, vivant qu'à une seule personne avant Jacqueline de Rimes, c'est-à-dire à Yves Saint-Laurent. Et euh, donc elle, elle va euh, avoir le tapis rouge à New York et pouvoir exposer euh, les robes de sa vie. Euh, le, le métropolitain avait trouvé le, le meilleur titre qui soit puisqu'il avait euh, dit Jacqueline de Ribes, the art of style, l'art du style. Elle n'aime pas du tout le mot mode, elle déteste la mode en fait, Jacqueline de Ribes, euh, qui lui paraît euh, tout de suite démodée, à peine exprimée, alors que le style pour elle, c'est quelque chose euh, d'intemporel. Et euh, elle, ne se, elle ne se préoccupe pas d'être à la mode, elle se préoccupe d'avoir du style. Euh, au fond, elle a, ce qu'elle qu donne à voir en général, ce sont des robes euh, très épurées, mais somptueuses, dans des très belles matières et des très belles couleurs. C'est un festival de couleurs. Bien sûr, il y a du noir et du blanc, mais il y a des très, be très beaux tons, orangés, bleu nuit, etc. Donc, il y a, il y a une palette également, Jacqueline de Ribes, euh, au Métropolitan. C'est une exposition qui a été remarquablement accueillie parce que les Américains euh, euh, ont une énorme curiosité euh, pour ce qui a trait au patrimoine culturel français. Et je dirais que le style Jacqueline de Ribes, au fond, euh, il, il entre un peu, d'une certaine façon, euh, dans le patrimoine parce que c'est un témoignage de l'élégance française. Alors je sais bien que le mot « élégance » n'est plus tellement dans, dans l'ambiance, etc. Mais oui, quand même, ça fait partie, euh, comme les cathédrales, comme les belles églises romanes, comme les fromages, euh, comme le bon vin... Euh, L'élégance française, c'est encore quelque chose qui existe euh, peut-être moins à l'intérieur de nos frontières qu'à l'extérieur de nos frontières. Et pour les Américains, la femme française, euh, c'est un peu cette silhouette-là, c'est-à-dire entre Brigitte Bardot et Jacqueline de Ribes, un mix de euh, grâce, de vivacité, de façon de s'habiller, typiquement français. Quand vous parlez d'élégance, on peut peut-être parler de Yves Saint Laurent qui était comme une, une grande amie de jean de, oui. de, de Ribes, qui, voilà, qui, qui, qui lors de sa première euh, grande collection qu'elle a présentée à l'hôtel de Bienfaisance, a été vraiment euh, lui a écrit des textes. des textes dont vous, dont, vous, dont, vous, dont vous transcrivez le, le, qui est magnifique, c'est un très, très, très beau texte sur, sur dommage à, à Jacqueline de Ribes. Est-ce qu'on peut parler de ce voilà de cette, de cette amitié qu'il a, qu a avec euh, Yves Saint Laurent? Donc je dois dire que euh, lorsque euh, j'ai regardé la, la correspondance de Jacqueline de Ribes, les lettres de Saint Laurent euh, sont vraiment merveilleuses parce que ce sont, sont presque des lettres d'amour. Il euh, y a une amitié très affectueuse entre eux. Euh, il lui envoie des petites cartes qui accompagnent des fleurs. Euh, il, il lui envoie des petits mots sans cesse. Et euh, quand elle crée sa maison de, de couture, euh, en 1983. Euh, non seulement euh, il la conseille, non seulement il est venu voir les, les robes chez elle euh, en priorité, euh, parce que pour elle, le premier examen à passer, c'était le regard d'Yves Saint-Laurent. Donc il a vu en priorité la collection qu'elle allait présenter aux journalistes ensuite. Non seulement il lui envoie... Euh, des techniciens qui vont se charger des éclairages, qui vont se charger euh, d'organiser un podium chez elle, parce que sa première collection a lieu euh, dans son hôtel particulier euh, parisien, rue de la Bienfaisance. Mais euh, il vient, il vient lui-même assister à la première collection de Jacqueline de Ribes. C'est assez rarissime, quand même, qu'un grand couturier vienne euh, voir une collection. Euh, qui est celle d'une femme du monde qui qui essaie de faire son premier pas euh, dans cet univers si difficile de la mode donc il est il est présent et il sera présent tout le temps euh, l'une l'une des lettres les les plus fortes je pense qu'il est écrite c'est celle où il lui il s'inquiète en fait pour elle et il lui décrit cet univers de la mode comme un univers cruel euh, plein de chose trappe, de difficultés, de rivalités. Et il la met en garde. Il la met en garde et il, il lui dit cette phrase euh, incroyable, il lui dit, je ne voudrais pas vous voir souffrir parce que moi-même, euh, je, je souffre beaucoup d'être de, de, là, d'avoir à créer sans cesse et d'avoir à affronter euh, ce terrible univers. Donc il, il la met en garde. Et en effet... Euh, pour elle, euh, ces douze années vont, vont être une véritable bagarre, un combat, euh, et elle en sortira assez meurtrie. C'est étonnant, oui, parce qu'on parlait de cette maison de cette maison de couture. Euh, elle, est, elle, est, elle était beaucoup vendue aussi au Japon, parce qu'elle avait une succursale au Japon. Et vous, vous expliquez dans le dans, dans livre qu'ils ont reproduit un magasin qui était l'hôtel de bienfaisance. Et ils avaient ré, refait en fait entièrement le, le lieu à Paris. De, voilà ce que nous parlait. Vous l'avez vu visiter Est-ce qu'il existe toujours alors malheureusement non, je, je n'ai pas pu le visiter, euh, mais en effet, euh, les Japonais, qui eux aussi sont très perfectionnistes et qui ont un goût de l'esthétique, avaient complètement reconstitué euh, ce, cet hôtel de la bienfaisance, euh, qui est un hôtel 19e euh, pour l'extérieur, mais qui à l'intérieur euh, était entièrement euh, meublé façon 18e, avec des reliques de Marie-Antoinette, etc. Donc ils avaient essayé de, de reconstituer vraiment ce salon. Et non seulement y étaient exposées les robes, mais il y avait également euh, des salles où on pouvait apprendre, et les, les Japonais euh, en sont très friands, on pouvait apprendre l'art de vivre. De Jacqueline de Ribes, c'est-à-dire comment mettre la table, comment faire un joli bouquet de fleurs, comment, pla comment recevoir ses amis, etc. Donc il euh, y, y a aussi cet aspect-là, toujours la France qui s'exporte, la France exporte son art de vivre. Et euh, ils, ils, étaient, ils ont été sensibles à, à cet aspect de, euh, de la maison de mode, de la maison de couture. Dans Votre livre, vous faites vous, êtes, vous parlez de Jacqueline Ribes, une créatrice de mode, mais aussi vous êtes qu'elle était une artiste en fait, que sa vie était une œuvre d'art en fait, que sa manière d'être, de se présenter et euh, vous la même rapprocher de la, de la performance, même du, de la, du body art, parce que vous pouvez nous expliquer euh, ce rapprochement un peu surprenant. Oui, si, si je crois que si elle n'avait été au fond qu'une femme du monde. Euh, une femme qui vit sa vie de bal en bal, euh, vêtue en Saint Laurent et en Balenciaga. Je ne crois pas que j'aurais écrit ce livre. En fait, je l'ai écrit en même temps parce que euh, il y avait cette société, en effet, à, à l'arrière-plan, une société étonnante et euh, aussi étrange qu'une Atlantide qui est complètement engloutie, qui a disparu. Mais je l'ai écrit pour elle parce que. J'ai été captivée par cette attitude qui est la sienne. En fait, elle, elle se comporte toujours comme euh, s'il y avait un photographe dans la pièce, comme si elle était sur une scène de théâtre. Et euh, elle a forgé, créé, sculpté son personnage au fil des années. Euh, au fond, elle, elle offre une image idéale de soi. elle n'a pas peint, elle n'a pas sculpté, elle n'a pas écrit, et c'est quand même une artiste. c'est une artiste comme euh, sont aujourd'hui des artistes. Euh, marina Abramovitch, par exemple, c'est-à-dire des artistes de la performance. jacqueline de ribes, elle a mis au point une sorte de performance de soi. et c'est une caractéristique euh, que je trouve très contemporaine. Aujourd'hui, tout le monde se prend en selfie euh, en permanence, c'est-à-dire on s'observe, on se regarde, on se photographie, on se regarde photographier, on se compare, on peut même transformer son apparence aujourd'hui avec le téléphone, on change la couleur de ses cheveux, on modèle son visage, etc. Euh, chez Jacqueline de Ribes, il y a ce goût de la performance et il y a ce culte. Euh, de, de, de se saisir à l'instant même. Il y a quelque chose d'évidemment très narcissique, à la fois dans notre époque et dans, dans mon personnage de Jacqueline de Ribes Mais euh, c'est intéressant parce que justement, cette femme proustienne, cette femme aristocrate euh, qui, était, qui appartenait à un passé, elle et qui ensuite a appartenu à cette jet-set années 70, Aujourd'hui, elle est assez moderne, à la fois par ses aspirations euh, à, à vouloir gérer sa vie, à vouloir diriger euh, son destin, à prendre en main sa vie, et puis par ce goût, au fond, euh, un peu narcissique de l'image. En lisant votre grande bibliographie qui fait 500 pages, à la fin, ça reste, elle reste toujours aussi mystérieuse pour moi. Elle est, elle est difficilement déchiffrable. Quand vous l'avez rencontrée, j'ai du mal à, à penser qu'elle qu qu rentre dans l'intimité, que c'était difficile de rentrer dans cette intimité. C'est quelque chose de quelqu'un de secret. Oui, c'est quelqu'un qui se protège. Oui, C'est un peu, en même temps, la, la limite euh, d'une biographie quand vous avez quelqu'un qui est en face de vous, quelqu'un de vivant. Donc, il n'a pas envie forcément de vous donner tous les secrets de sa vie. Il vous en livre un petit peu, mais euh, pas complètement. Donc, je, cette, cette espèce de protection, cette espèce de bulle de verre, euh, je, je l'ai ressentie tout le temps. Et dans mon livre, j'ai essayé de la rendre parce qu'elle était authentique. Elle fait partie du personnage qui. Elle, elle, euh, elle, elle veut qu'on la voie sous un certain jour, Jacqueline de rive Donc, par moment, je, je perçais la paroi de verre, je me rapprochais, euh, et puis je, je m'en éloignais, et puis je revenais. Donc cet éclairage à multiples facettes, j'espère que je l'ai rendu dans ma biographie. Au fond, euh, le biographe, c'est le premier spectateur, et, euh, et le regard du biographe, c'est celui que le lecteur va avoir lui aussi. Donc euh, ce, ce regard, il n'est pas tout d'une pièce non plus, il est, il est fait euh, d'admiration. Quelquefois un peu d'ironie, de, de distance. Euh, vous voyez, il est mitigé, mon regard. Donc la, la lumière n'est pas brutale, elle n'est pas crue, elle, elle est multiple, elle est kaléidoscopique. C'est ce, ce qui m'a plu aussi dans, dans, dans ce livre, c'est de, de rendre l'image autour d'elle, euh, un peu comme un photographe. Vous voyez, je n'allais pas mettre tous les projecteurs violemment, non. Je, je, je change la lumière selon, selon les chapitres, selon les moments. Et peut-être votre impression est-elle due à ça, justement, au fait que je n'avais pas envie d'être euh, cru, ça, ça, ça n'avait pas d'intérêt. Ce qui était euh, difficile et en même temps intéressant pour moi, c'était de recréer cette lumière autour d'elle, une lumière que j'ai ressentie tout au long de nos entretiens et tout au long de nos recherches. Et puis essayer de garder le côté euh, la légèreté, vous voyez. Je, je voulais pas. Il y a bien il y a 500 pages, mais j'espère qu'elle ne pèse pas trop et que finalement il y a plus de côté d'irisation et de et de scintillement euh, que de euh, vous voyez que de documents pesants, etc. Autour de ce personnage qui, qui est fascinant par sa lumière. Effectivement, ce n'est pas du tout pesant. Ça sent pas, je lis très très vite. Et eh ben, j'ai trouvé que le moment peut-être le plus heureux de sa vie. C'était Ibiza, enfin, une espèce de, de, de moment dans sa vie. Peut-être que, est-ce que, est-ce que, vers en lisant le livre, c'est vraiment ce sentiment là qu'elle était vraiment intensément heureuse à Ibiza. Est-ce que c'est juste une impression ou vous avez ressenti ça, ce moment là de sa vie, c'est un moment exceptionnel. C'est difficile de ne pas être heureux à Ibiza en même temps, surtout à un Ibiza des années 68. L'île est encore un peu sauvage, il n'y a, a pas tous les touristes qui sont là aujourd'hui. Elle est beaucoup moins fréquentée à l'époque, cette île, que les autres baléares. Il y a beaucoup de hippies qui sont venus, euh, qui, qui y habitent. Enfin, et elle a, elle a découvert cette île, ce sont des amis qui lui ont fait connaître cette île, à un moment où, justement, elle est un peu... Euh, euh, elle, elle a une suite de chagrin. Elle n'a elle pas forcément le, le bonheur hein, parce qu'on peut être belle, riche, euh, etc. et euh, ne pas avoir le bonheur non plus. Donc le bonheur chez elle, il euh, y a beaucoup de de blessures, de fractures comme ça dans, dans sa vie. Et tout à coup, euh, cette île ensoleillée, cette île euh, sauvage où, où on peut vivre libre, sans, sans, euh, sans ce carcan, vous voyez, où elle est enfermée, parce que c'est une femme qui a tout de même vécu dans un, dans un, un carcan, ce carcan d'une société assez rigide, où les choses se font ou ne se font pas, etc. Et là, c'était la liberté, c'était vivre pieds nus en maillot de bain tranquillement ou en pareo, et, et tout à coup déconnecter des, des autres réalités, même familiales sans doute. Donc il euh, y a le soleil qu'elle a beaucoup aimé aussi, euh, refuge dans une, dans une maison euh, au bord de la mer. Enfin, oui, je crois, c'est un moment de bonheur. Mais surtout, elle a construit sa maison. C'était sa maison. Et c'était la première maison qui était vraiment la sienne, parce qu'autrement, euh, elle, elle a toujours vécu au départ euh, bon, chez ses parents, bien sûr, mais ensuite chez son mari, puisqu'elle elle a habité l'hôtel particulier de son mari en même temps que ses beaux-parents et même que la grand-mère de son mari. Où il y avait quatre générations qui, qui vivaient à un moment donné dans, à la Bienfaisance, à l'hôtel de la Bienfaisance. Et euh, donc quand elle partait en vacances, elle louait des maisons. Euh, donc tout d'un coup, c'était c'est comme construire son nid, euh, un nid à son image. Euh, voilà. Et donc euh, à la fois euh, euh, une, très, une maison qui était euh, qui en harmonie avec la nature, parce qu'elle a, a toujours aimé beaucoup le, la, la nature, les, les jardins, euh, et la maison est toute simple et, et ouverte sur euh, sur le maquis, euh, le maquis des baléares. Dernière question. Est-ce qu'elle a lu votre biographie Et si oui, qu'est-ce qu'elle qu qu en a dit ou pensé Alors, elle a lu ma biographie. Elle l'a lu uniquement... C'était un accord entre nous. Elle a lu seulement à sa parution. Je n'ai pas voulu lui montrer le manuscrit euh, parce que je ne voulais pas euh, qu'elle corrige le manuscrit. Euh, J'assume euh, le livre que j'ai écrit... Euh, c'est mon regard sur elle. Je lui, ai, je lui avais toujours dit Je n'écris pas vos mémoires, j'écris un livre sur vous, inspiré par vous, avec un, euh, le regard qui est le mien. Donc, quand elle a eu le livre, je crois que d'abord, elle avait accepté, bien sûr, que j'écrive ce livre. Euh, euh, elle était. Euh, parce que c'est une femme qui est en lutte contre le temps qui passe. Alors l'idée d'une biographie, évidemment, c'est un peu rassurant. On se dit la biographie, finalement, c'est un condensé de ma vie, de tout ce que j'ai pu vivre. Et puis c'est appelé à rester plus ou moins. C'est ça. Et le livre sera toujours là. On pourra toujours le feuilleter euh, plus tard, même quand je ne serai plus là. C'est l'idée au départ pour elle, c'était ça. Euh, mais euh, au départ, le livre l'a quand même, euh, je crois, euh, euh, bouleversé, prof, très beaucoup ému euh, euh, parce que justement, c'était elle ne maîtrisait pas tout dans ce livre et que euh, il y avait ce mélange de confidence et d'un regard extérieur, c'était le regard de Dominique Bonnat. Bon, mais maintenant, euh, elle a apprivoisé le, le livre. Et euh, elle se dit contente finalement. C'est le mot que j'ai recueilli pas plus tard qu'hier, contente, parce qu'on parle d'elle, parce qu'elle est à nouveau, euh, finalement, euh, elle sort de sa retraite, de sa solitude. C'est une femme de, qui a passé 90 ans, qui est toujours belle, mais qui est quand même très, mar, très marquée par les, les souffrances physiques. Et, et le fait de, de, de se revoir et, et de revivre euh, dans un livre des épisodes de sa jeunesse, de sa vie, tout ça forme un, un, une sorte de, de, de mouvement où elle est à la fois heureuse et un peu secouée. Euh, voilà. Mais euh, oui, c'est une entreprise euh, étrange, euh, euh, la biographie. La biographie, c'est à la fois pour, pour Jacqueline de Ribes, c'est une manière de prolonger sa vie, de rester dans un livre un peu avec sa légende. Je crois que c'est la légende de Jacqueline de Ribes, mon livre. Parfait, merci.